Salut, salut mes amours, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue sur le nouveau numéro 2 à la découverte du numéro 237. Aujourd'hui, je vous amène comme ça à découvrir cette jeune dame, président à Yaoundé, et c'est justement au salut de la découverte, c'est tout de suite. Bonjour madame et merci de répondre aux questions d'Echo 237. Merci de vous. Comment est-ce qu'on vous appelle madame? Je m'appelle Massotoko Valencia Lavoie. Depuis combien de temps est-ce que vous faites dans ce métier? Depuis combien de temps est-ce que vous brûlez le plantain au carrefour? Je le fais déjà en temps, donc il y a des saisons. Donc c'est pas quand même chaque fois parce qu'il y a les saisons où il y a les prunes et les saisons qui n'y a pas. Donc je fais pendant les saisons où il y a les prunes. Et depuis combien de temps vous êtes donc au carrefour? Bon, je suis au carrefour, ça ne fait pas bon nombre de temps, mais je suis quand même là. Ok. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous approvisionnez? Vous allez acheter les plantains ou tout ce que vous vendez? Dans quel marché? Oui, oui, je pars juste au carrefour, au marché tout dit. Comme ce n'est pas très loin du carrefour Lafayette. Pouvez-vous nous dire quel montant est-ce que vous avez eu besoin pour déclencher, pour démarrer avec votre activité? Bon, étant donné que tout ça est cher, mais je n'ai pas eu à investir beaucoup. Mais je fais une petite somme de 5 000 francs et j'ai fait l'effort d'acheter d'abord le plantain de 3 000 et puis les prunes de 1 500 et puis aussi acheter un peu de charbon pour commencer. Donc c'est comme ça que moi je fais pour commencer le plantain de 1 000. Ok. Et combien pouvez-vous avoir comme recette journalière quand vous vendez comme ça? En fin de journée, vous pouvez avoir combien? Ici d'abord nous sommes au quartier, nous ne sommes pas trop en ville comme ceux qui sont à côté de la rue, ils vendent, ils connaissent que tu peux vendre pour eux, ils donnent. Quand tu es au quartier, quand tu payes le plantain de 3 000 comme ça, là, tu peux vendre ça même pendant 2 jours, même pendant 3 jours. Donc ce qui fait en sorte que tu peux passer la journée comme ça, tu vends même 2 000, même 2 500. Un plantain comme ce qu'elle vient d'acheter là, et les prunes, ça pouvait revenir à combien? Bon, les premiers plantains sont chers là, et ceci-là, c'est un peu gros là. Je lui ai vendu ça à 100 francs, et je lui ai vendu les prunes à 50-50, donc ça a fait 200 qu'elle m'a donné là. Ok, d'accord. Si on vous demandait quel était votre rêve pour l'avenir, qu'est-ce que vous allez répondre? Oui, comme je fais les plantains là, avec le feu là, ça, il y a aussi les inconvénients, parce que le feu là, ça brûle vraiment le sang, ce n'est pas trop bien pour la santé. Et je ne vais pas seulement continuer à faire seulement le plantain pour que je peux aussi aller aussi un peu comme le rang de Bayam, je paye aussi, je viens aussi approvisionner ça aux d'autres personnes. Donc, pour faire en sorte que d'autres personnes viennent aussi acheter chez moi, comme moi aussi, je peux prendre la peine d'aller aussi acheter ailleurs pour venir me vendre. Ça veut dire que vous avez besoin d'être grossiste. Vous voulez vous-même aller maintenant acheter la marchandise de plantain au champ et venir détailler. D'accord. Est-ce que vous aviez des personnes à saluer ou alors vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je suis amie d'abord ma mère parce que c'est grâce à elle que j'ai fait le tour. Je la remercie aussi pour tout ce qu'elle fait pour moi, pour ma famille. Je salue aussi mon père qui est de Fontoté et qui m'a permis de voir le tour. Je voulais passer un gros bisou à eux. Et je salue aussi mes deux gros bébés. Ce sont ceux qui font ma société, ce sont ceux qui font en sorte que moi je suis en train de vendre tout ce qui est vendu là. C'est pour eux que je fais cela. Merci madame de nous avoir reçus chez vous. Nous vous remercions. Je vous remercie aussi. J'espère que les prunes en sont passées.
Non, je n'ai pas acide. Parce que moi-même, je goûte ça avant d'acheter. Bah, les clients sont trop compliqués. Quand tu parles des poules qui sont acides, ça finit même par chasser les clients et ils ne tiennent plus. Donc, il fait tout le maximum d'efforts pour trouver les poules qui sont dégueulasses. Ça a l'air convenant. Tu as raison, pardon, tu ne viens pas quand ça. Chers abonnés des Côtes en français, nous voici arrivés au terme de notre émission à la découverte. Nous avons tout suivi le direct de cette dame où elle disait qu'elle a eu besoin juste de 5000 francs pour démarrer son activité. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Avec 3000 francs ou 2500, vous pouvez acheter le plantain. Avec 1000 francs ou 1500, vous pouvez acheter la prune. Charbon de 500 et voilà, pouf, vous lancez votre activité. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau numéro. Déjà, partagez, likez et laissez-nous des commentaires. Je vous aime. Bisous. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Akwa, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du palais Dikar. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, homme et enfant. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694-03-06-97 au 679-10-18-86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.